Écoute-moi bien. Tu vas devoir être courageuse. Intéressons-nous à l'interface. La barre bleue en bas à gauche représente votre santé. Observez le radar juste à côté pour localiser objectif, ennemi et point de sortie. En bas à droite, vous pouvez voir l'arme sélectionnée et vérifier si elle est visible ou non. La barre jaune qui s'affiche à côté vous indique combien d'instincts il vous reste. Quand elle est vide, vous ne pouvez plus y faire appel. Vous allez entrer dans une zone interdite. Le garde essaiera de vous arrêter s'il vous voit. Alors restez discret et essayez de passer inaperçu. Les objets que vous ramassez peuvent vous servir d'armes ou vous permettre de créer des diversions. Lancez la clé anglaise sur les sauts pour distraire le garde. Excellent. Passez pendant que le garde est distrait. Utilisez votre corde à piano pour éliminer le garde en silence. Meurtre propre. La corde à piano vous permet de traîner le cloque immédiatement. Le corps est caché. Le conteneur peut encore accueillir un cadavre de plus
ou vous servir de cachette. Meurtre propre. N'oubliez pas de cacher le corps. Les cadavres attirent toujours l'attention. Vous avez activé un point de contrôle. Vous reprendrez d'ici. Si vous mourrez, l'essence surhumain de l'agent 47 lui permet de percevoir précisément son environnement. Maîtriser ou tuer, à vous de choisir. Dans tous les cas, il ne se relèvera pas de sitôt. N'en fais pas, je suis hyper diplomate. Diversion, tir précis ou étranglement, le choix vous appartient. Meurtre propre. N'oubliez pas de cacher le corps. Les cadavres attirent toujours l'attention. Ne fuyez pas. Feignez de vous rendre ou marchez calmement pour vous isoler. Puis, neutralisez l'ennemi. Ici 6, tout va bien. Écoutez les gens autour de vous. Ils peuvent vous révéler des informations utiles ou vous informer que la voie est libre. C'est marrant, c'est tout. Ouais, ça va. On ne la fait pas. Ça devient fini par arriver. Ça me fait plaisir que tu t'inquiètes pour moi. Écoute bien, tu devrais... Utilisez votre instinct ou le radar pour localiser la sortie. Et quand tu perds, si on était une agence de voyage, on n'aurait que deux destinations, la mort et la dépression. Et pour les deux, il y aurait un temps de merde. Anticipez les mouvements ennemis grâce à l'instinct. Le garde se dirige vers la rambarde et ne vous atteindra pas. Vous pouvez lancer les armes tranchantes ou perforantes pour attaquer ou faire diversion. Visez une cible. Meurtre propre. Vous pouvez jeter le corps par-dessus la rambarde. Les tirs de votre arme actuelle attireront l'attention de l'ennemi. Utilisez plutôt vos silver bullets avec silencieux. Il vous faut un déguisement pour vous infiltrer discrètement dans la serre. Vous êtes déguisé en jardinier. Cette tenue vous autorise à être présent dans la serre. Les autres jardiniers vous démasqueront si vous les approchez de votre jardinier. Les gardes droit devant ne se méfieront pas, mais prenez soin d'éviter les autres jardiniers. Je ne crois pas avoir vu la fille sortir de la maison depuis qu'on est arrivé. Pas d'école, pas les bonjour au couloir. Garde, je ne sais pas. Désolé, nouveau règlement. Interdiction d'entrer ici à moins de faire partie de la sécurité. Vraiment parfait. Je l'avais tué, c'est en vous occupant de ces gardes, vous avez régénéré un peu d'instinct. J'ai traversé l'enceinte. Les gardes sont distraits. Vous pouvez les tuer ou les éviter. C'est à vous de voir. Bien. En fait, la maison, on est tué. Tiens, bien vers vous. Avec ton là, vous le ramenez sans le blesser. Elle est très précieuse, hein, messieurs. Il y a seule la chance. C'est super vrai. Oh la vache, comment j'ai flippé. Ouais.
Vous êtes entré dans le manoir. Votre déguisement actuel attirera la suspicion des gardes. Trouvez une autre tenue ou faites en sorte de ne pas être vu. L'uniforme de garde du manoir vous donne accès à tout l'intérieur du bâtiment. Les autres gardes vous démasqueront si vous les approchez de trop près. Alors gardez vos distances. Différentes preuves sont cachées dans le jeu. Trouvez-les pour gagner de l'instinct et des points d'évaluation. Le système d'évaluation s'activera dès que vous franchirez cette porte. Il suivra votre progression et vous récompensera en conséquence. Vous pouvez le voir en haut à gauche. Comme toujours, votre liberté d'action est totale sur cette mission. Bonne chance. Utilisez l'instinct pour repérer des objets utiles. Le corps est caché. Le conteneur peut encore accueillir un cadavre de plus ou vous servir de cachet. Si votre score est assez élevé, vous débloquerez une technique d'assassin. Consultez le carnet pour vérifier votre score et l'objectif à atteindre. Le conteneur est plein. Il n'y a plus assez de place pour vous ou pour d'autres corps. J'ai presque atteint la cible. Bien joué, 47. N'oubliez pas, tout ceci est la faute de Diana. Elle nous a trahis. L'agence, le code, tout ce que nous défendons. Elle est trop dangereuse pour qu'on la laisse en vie. Pensez à ça quand vous appuyerez sur la détente. Thank you.
bon Dieu, 47. L'agent 47 est capable d'éliminer ses ennemis avec vitesse et précision. Notez bien que ce mode de tir consomme votre instinct rapidement. Orientez la caméra pour viser les ennemis, puis verrouillez le tir. Dégâts mortels. Passez à l'ennemi suivant. Dégâts mortels. Tous les ennemis sont marqués. Exécutez l'attaque.
Parlez-moi des docteurs. Je sais pas, c'est très flou. Comme un mauvais papier. Pourquoi? Il faut qu'on y aille. Monsieur, il n'y a personne ici. Je crois que la cible a quitté le périmètre. Putain de merde! Je le savais qu'il pourrait pas! Je veux tous les agents sur cette affaire, ça! Localité 47 à Antillon-Cuit entre les Noirs. C'est 37,50 la nuit, et pas d'embrouille, ok? Ouais. Birdie, il faut qu'on se voit. J'ai entendu parler de tes exploits récents. Ouais. Je dois dire qu'il faut une sacrée paire de couilles pour s'en prendre à elle, maintenant. Mais j'imagine que t'appelles pas pour ça. Tu veux que je te refile des informations, et moi je veux bien t'aider. Mais j'ai comme qui dirait besoin. Écoute, il y a un type un peu car qui se fait appeler le roi de Chinatown. Pas le genre à faire de la finesse. Ouais, j'aimerais bien que le roi